trouve les mêmes, mais pas pour faire du fer, quand tu vas dans la dans le Rhône. Je me présente, cette animation sera co-animée avec deux autres personnes, dont Jacqueline Zeb, qui est une savante personne connaissant énormément de choses sur le fer, habitante du village, et qui a été fondatrice. Oui. En occitan. C'est comme ça qu'on présente notre fête, et c'est ce qui est expliqué ici. Donc le minerai, le voilà. C'est ce qu'on trouve sur les crêtes des collines. La production, elle ne va pas se passer en bas d'un foyer, elle va se passer dans le cheminement de la cheminée. Le charbon de bois qui est là depuis 3-4 heures avant, on chauffe le foyer très fort. Il faut une température de 1300 degrés pour que ce soit possible, pour que le fer quitte, que l'oxygène puisse quitter le fer. Une autre neuve, bien sûr. On a fait ça l'été d'avant. Donc voilà, la cloche reste clignée. Là, la commune a pu se payer un tour clocher et les deux chapelles, elles datent aussi du 16e. Donc on voit les agrandissements du 16e siècle correspondent en gros à la richesse dont je parlais. Un document qui nous permet de donner une explication, enfin connue à ce jour. Hein. Donc moi, je me suis fait mon idée, moi, et puis quelques. Donc reconstruit un bac d'eau à la place de celui dont vous avez vu un morceau de l'église. Alors là, il y a une couronne de Alors les siècles précédents, ils sont identiques. Le minerai, vous voyez qu'il est omniprésent et il y en a partout. Donc là, la mine, donc la question est juste derrière. Donc on va aller là-bas. Ce coraux avec tout ça, et puis ces calcaires, ils n'étaient pas purs. Il y avait un peu de sable, et puis c'était une zone de... Moi, je vais lancer. Ah, c'est le faisais, moi, truc. C'est où ? Du coin, et qui alimentait, je pense, fortement la pêcherier qu'on a juste. Quand on regarde les volumes des trous, c'était quand même des productions vachement... C'était... Ah bon, la Mauritanie. Mais ça ne sonnerait pas des fois. Non. C'est quoi ça? Il y a une ferraille là. Bon, maintenant sortez vos frontales, on va y aller. Allez hop, c'est parti. Contraste, hein. Regarde le contraste à l'écran, là. Si ça se voit bien. Et malheureusement, là ça va tomber. C'est en train de glisser, ça va s'arrêter quand ça touchera le sol. Hein. Mais il faut sauver ce poteau là. Oui, le poteau là, oui. J'ai entendu parler. Oui. Il faudrait le descendre avec le reste. C'est parce que c'est une zone d'habitation qui était autrefois non pas une maison d'habitation mais un logement plutôt pour les ouvriers à l'époque de l'usine. L'usine à fer qui s'étendait jusque là où sont les orties que vous voyez à côté du petit noyer là-bas, puisque ça correspond à la sortie du canal de fuite. Oui, des fois il le dit, ouais. Pas souvent,
Ouais, voilà, donc, voilà. Bon, nous, là, c'est dans l'est là.